passe. Abraham a fait un service, il a chassé les oiseaux de proie. Sa parole et sa parole les guérit. Nous voulons, Seigneur, être guéris par toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, glorifie ton nom en ce soir. Que seul ton nom, Seigneur Dieu, soit élevé au milieu de ton peuple, de ceux que tu as appelés selon ta puissance et ta sagesse. Amenant tous ces captifs à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce soir. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saluer à gauche et à droite? Okope Sandeko Pembenimbote. Même derrière, hein, souhaitons-nous la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Est-ce qu'on me reçoit bien devant là-bas? Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur est bon. Je dis d'abord merci au prophète de me laisser vous parler. En ce soir. Vous savez, lorsque nous avons commencé le culte, juste avant, il y avait une menace de pluie, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a commencé le culte, il a commencé à pleuvoir, n'est-ce pas? Et pendant qu'il pleuvait, tant que vous les avez gobeta, je me suis dit que celui dont la foi n'est pas stable se dira oh il pleut je reste à la maison. Nami lobela qui était oh yasa na kundi ma ya kofanda te alobite vous les bandits na koyate. Mais surtout ce que j'aimerais partager avec vous c'était quoi? Le Seigneur, suivez-moi très bien. Parce que ça nous concerne. Amen. Le Seigneur m'a rappelé une chose. Souviens-toi de l'alliance. Banza oyeza boyokani. Que vous avez fait avec moi Dieu. J'aimerais commencer par cette illustration. Pourquoi? Plusieurs années avant, quand nous prions avec les autres, hein, les apôtres Jean-Jacques et les autres, un jour en pleine veillée, si je ne me trompe pas, le Seigneur nous a dit ceci. Fils de l'homme, je veux que tu tiennes compte de l'élément. J'essaie de reproduire les paroles. Hein. Je veux que tu tiennes compte de l'élément naturel. Il parlait de la pluie. Parce qu'il arrivait des moments où on était sous la bâche, n'est-ce pas? Quand il pleuvait, c'était catastrophique.
Que vous veniez avant ou pas. Maintenant, si vous venez avant. Maintenant, actuellement. Et que tu es dans le temple, tu peux être couvert, ok? L'eau stagnait sur les bâches et ça se renversait sur certaines personnes. Et le prochain culte, parfois, on ne revoyait plus certaines personnes. Et le culte était dérangé. Et ça qui passe. Le Seigneur nous a dit, je veux que tu fasses une alliance. Bien aimé, Landa, parce que Hermo pèse alarmement fatigant. Hein? C'est comme si Batubalingaba on vous tébango. Dieu vous parle de certaines choses, on vous donne des oracles. Mais Hermo Boutika la ranenka pose à la rakak. Est-ce que c'est mon nom normal? On dirait que Batier Tonga du Piron, Batier Tonga ya Kinin, Ciprofloxacin, Batier Tonga ya Sogi Yanin. Mais il n'y a pas de changement. C'est grave, mes frères. J'ai l'impression que ça devient votre cas, ou notre cas, nous tous. Il a dit, fais alliance avec moi, ton Dieu. Pour que chaque jour, il y aura... Ce que je dis là, je ne sais pas qui s'en souvient. Alain, tu n'en es pas là. Je sais que le prophète s'en souvient. Mes frères, le Seigneur a dit, fais alliance avec moi, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et alors il a dit, pour que chaque jour où vous vous réunirez, que l'élément naturel ne vous dérange pas. Et mes frères, on a prié. Alléluia. On s'est tenu dans la foi. Et on a commencé à prier. Et on a indiqué les heures. On a dit, Seigneur, Yahweh, avant le culte, à telle heure, avant le culte à telle heure, jusqu'après le culte, que le ciel soit fermé. Et à chaque fois qu'il y avait une pluie qui menaçait, ça passait. Et lorsque la pluie vraiment tombait en plein culte, je me souviens même une fois, après l'alliance, mais là, le ciel était sombre, il y avait des gens qui étaient là. Bien aimé, je ne tiens pas à citer les noms, mais certains d'entre nous ont rappelé à Dieu son alliance. Ceux qui avaient participé à la prière. Ceux qui avaient participé à faire l'alliance. Et alors, bien-aimé, matanambu le katana. Amen. Et tout ça, l'ipé culte. Alléluia. Amen. 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 Mes frères, nous sommes un peuple puissant. Pas parce que nous sommes nous. Pour être tout ça, bisoté. Dieu nous appelle à être très puissants. Et toutes les fois que Dieu est en train de nous parler. Mes frères, ce n'est pas pour nous plaire. Mais c'est pour nous amener à une certaine dimension. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est pour nous amener à une certaine dimension. C'est pour que il y a quelque chose qui se passe dans nos vies et pour que nous puissions influencer. Amen. Mes frères, il s'est passé tellement de choses depuis toutes ces années. Mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai touché le mur, et Seigneur, souviens-toi, j'étais parmi ceux qui étaient dans l'alliance là, ce jour-là. Je ne pense pas que l'alliance a pris fin. Non, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu prends conscience de certaines choses, le monde spirituel t'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Le jour qu'on aura l'occasion de, le jour que même quelqu'un sera là, Batakala, je vais leur demander de faire ce témoignage avec vous. Et vous allez comprendre ce que moi j'ai oublié et ils pourront le rappeler. Amen. Vous comprenez ça? Dieu marche avec des hommes et des femmes. Et il veut les rendre des hommes et des femmes puissants. Amen. Le thème de l'année, c'est recommencer. Je voulais faire ce témoignage pour vous édifier. Amen. Et pour nous réconforter à aller dans le sens de l'alliance. Recommence car c'est le temps des alliances. Amen. C'est ça le thème de l'année. Bien-aimé, lorsque j'étais dans la présence de Dieu, mes frères, il y a certaines choses que j'étais en train de recevoir. Et je vais vous les proposer. Amen. Je ne ferai pas, on n'aura pas un texte de base pour lire, non. Mais nous allons évoquer certains passages, mais je vais seulement vous parler de la part de Dieu. Le prophète a plus parlé de l'alliance. Amen. Il a dit que l'alliance était un pacte entre deux personnes ou plusieurs parties. Amen. Amen. Et ce pacte-là était scellé lorsqu'il y avait effusion de le sang. Amen. C'était la pratique de nos ancêtres. Alléluia, dans la foi. Amen. Amen. Moi, je suis en train de m'attarder un peu. Je suis en train de faire ceci. Moi, je suis dans la première partie. Recommence. Recommencer. Bandela. Recommencer, ça, c'est... Le dictionnaire le définit de cette manière. Nazela dictionnaire ko bandela lingi koloba. Commencer de nouveau. Ko bandela ya lisusu. Non, ko bandela lisusu. Parce que ko bandela, c'est ça recommencer. Ok. Ko bandela lisusu. Amen. Amen. Recommencer, c'est commencer de nouveau. Ko bandela lingo ba ko bandela lisusu. C'est faire de nouveau quelque chose. Ko sala iloko moko ya sika. La pensée de Dieu pour nous à l'église, c'est que APC puisse recommencer. Maman, APC banda. Si Dieu nous dit de recommencer ce qu'il a vu nos échecs, c'est que Dieu a vu que nous nous sommes arrêtés quelque part. C'est que Dieu a vu que il y a la destruction. Et il veut qu'on puisse recommencer. C'est qu'il a vu le découragement. Ce message est un message de grâce. C'est-à-dire que Dieu nous place dans une saison de deuxième chance. Amen. À l'école, lorsqu'on échouait, il y avait la période qu'on appelait repêchage. Ou encore examen de deuxième session. Alléluia. Amen. Donc APC doit se considérer comme en deuxième session. APC, c'est-à-dire qu'on ne blague pas avec la deuxième session. Parce que sinon, on va refaire classe. Sinon, vous allez refaire l'année. Ajournée totale. Ou on va vous ajourner et vous restez là. Même celui qui a journée totale, il reprend tous les cours. Mais il y a encore de l'espoir pour qu'il puisse réussir et passer de classe. Recommence. Dis amen avec moi. Bien aimé, je répète encore, recommence. Recommence. En donnant cet oracle, Dieu inaugure. Il place sur nous
une saison de grâce. Alléluia. Amen. De recommencer là où ça n'a pas été. Qu'on recommence. Alléluia. Amen. Ce message, mes frères, c'est pour que nous puissions faire mieux ce qu'on n'a pas fait bien la fois passée. Mais il dit, car c'est le temps des alliances. Donc, d'après ce que le prophète Gary avait dit, en recommençant, on doit tenir compte de l'alliance. Amen. Mais moi, je m'attarde toujours sur le recommencer. Amen. L'oracle dit, c'est le temps des alliances. Ce qui veut dire qu'en recommençant, nous devons tenir compte de l'alliance. Quand tu recommences, recommence par l'alliance. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils doivent commencer, avant de chercher autre chose, ils doivent commencer d'abord à être en alliance avec Jésus, n'est-ce pas? Recevez le Seigneur et vous serez en alliance avec le Dieu de la promesse. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut recommencer par l'alliance et puis il faut recommencer avec une alliance. Alléluia. Amen. Cette saison est décrétée temps des alliances. Tango oyo, mvula oyo, babengi yango, tango ya boyoka. Est-ce que besoin de m'agrandir ma osala? Recommence, car c'est le temps des alliances. Banda lisusu poete tozana tango ya boyoka. Le but de l'alliance, tina ya boyokani, vous avais-je dit, c'est la relation. Neyebisaki bino ezali kozala bomoko. L'alliance crée un pont, un lien. Boyokani etsalaka singa tokangana tokutana entre Dieu et celui qui fait l'alliance. Nanzela ya nzambe pena moto yo atosala boyokani. Eh bozula nanga yi. Bozula nanga. Amen. Hein? C'est ça le but de l'alliance. Yangwana c'est d'établir un lien singa ezala. D'établir un lien. Kotia singa entre Dieu et celui qui reçoit la parole. Nanzambe na moto yo azo. Alléluia. Entre Dieu et un groupe de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc maintenant, mes frères, le but de l'alliance, c'est justement que quand il y aura ce fil-là, il y aura ce pont. Ce pont n'est pas appelé à se couper. Non. Mais à demeurer. Mais et bien ami à côté qu'à la libé là. Pourquoi? Parce que c'est le canal par lequel Dieu va échanger les choses divines avec l'humanité. Pour être ezanze là on zambe akobano salé là pour être pensa kabiso biloko ya molimo. Alléluia. Amen. Et c'est comme une porte. Ezalokola ekuke. Alléluia. C'est comme c'est le cordon ombilical entre la maman et le bébé. C'est ça l'alliance. Qui me comprend? Qui me comprend? Et c'est ce cordon ombilical qui nourrit l'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand l'alliance était rompue, le peuple d'Israël était sans protection. Parce que la chose qui les protégeait, c'était l'alliance. Par l'alliance, ils avaient l'engagement de Dieu. Alléluia. Amen. Ils s'est engagé à côté de ma bango. Alléluia. Ils s'engagent envers eux. C'est pourquoi quand l'alliance est déconnectée, on commence à échouer. J'aimerais juste faire prendre 3 minutes
pour faire une petite distinction. En deuxième lieu, faire la différence entre l'alliance du salut et les alliances attachées aux promesses. Différence, bokeseni natina ya boyokani oyo ya lobiko pe ba boyokani mususu. Lorsque nous avons cru au Seigneur, on a reçu le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. On a été lavé par le sang. On est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Là, c'est l'alliance du salut. Avec tous ses bénéfices. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette alliance du salut a été scellée une fois pour toutes. Amen. Donc, il n'y aura plus un autre sacrifice pour nous sauver. Ça va? Amen. Mais maintenant, l'alliance attachée aux promesses. C'est que nous avons une alliance principale avec Dieu. Mais maintenant aussi, dans notre marche avec Dieu. Dans notre intimité avec Dieu. Nous avons maintenant des, ce que moi je veux appeler des ententes. Vous comprenez? Bah, accord. Donc, quand tout le temps, on a une entente, alliance attachée aux promesses. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Au son du Mela Yesu, Obika, c'est bon. On a alliance, il y a salut. Il y a salut, il y a l'obiko. Si on a alliance, il y a alliance, il y a que ce qui est en train de entendre, c'est que vous avez une entente. Alléluia. Amen. Amen. Il faut faire la différence avec ça. Ça va? C'est comme quand on se marie. Ici, à l'hôtel, on dit oui, je te fidélité, tout ça, je t'aimerai pour le meilleur et pour le pire. Ça va? Ça va? Amen. Mais en marchant avec votre femme, dans votre intimité, il y a des choses que vous, il y a des choses encore qui s'ajoutent, n'est-ce pas? Où il dit à la femme, non, moi je ne ferai jamais ça. Et la femme ne dira, moi aussi je ne ferai jamais ceci. Ils ont des ententes, une entente. À tel point que même si on vient dire à Mifi, regardez ce que Bertrand, elle dira non. On a une entente avec Bertrand. C'est leur alliance. Amen. 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 Alors Dieu nous appelle à recommencer, mes frères, à recommencer. Hein? Il faut tout recommencer. Dieu n'a pas limité les champs. Amen. Recommencer par l'alliance. Alléluia. Si elle a été brisée, on a rétabli l'alliance ici. Les ouvriers ont rétabli l'alliance. Amen. Rétablir le service. Hein? À l'intercession, à l'évangélisation. Recommencer. Alléluia. Oh, oh. Recommencer. Recommencer à l'évangéliser. Recommencer à servir Dieu. Recommencer à donner. Ne vous découragez pas. Recommencer. Recommencer tout ce qui a été détruit. Même lorsque vos relations ont été détruites, recommencez-les. Bien-aimés, recommencez. Il y a une chose que l'Esprit est en train de me faire voir. Quand on parle des alliances, mais aussi dans ce nombre-là, des connexions. Des connexions. Ah, les hommes, non, non. Les connexions. Ah, ok. Baboyokani. Alléluia. Hein. Les connexions. Baboyokani. Vous savez pourquoi? Pour nanine. C'est le temps des alliances. Ah. Tout le temps, la vendi, esprit fumami. Je dis, ah, bien aimé, c'est le temps de chercher les partenaires de prière. Oyo, ane lokozan angote. Bonne alliance à prière. Hein? À chaque les 30, c'est mon alliance à prière. Est-ce que vous vous souvenez quand le prophète a parlé de David et de Jonathan? Ça vous a rien dit? Ils ont fait une alliance entre des personnes. Et même quand le père de Jonathan voulait faire du mal à David, Jonathan le prévenait. À cause de quoi? À cause de quoi? De l'alliance. Quand papa na Jonathan Saül alingaka sala makambo a baby sa David. David a dit que Jonathan na tina nini. Jonathan dit, je lance une pierre. Tu vas comprendre que c'est le signal. Fuis, mon père veut te... Mais c'est son propre père.
Alléluia. Amen. Mais pour Saül, c'est quoi? C'est de la trahison. Moi, on a trahi famille. Alléluia. Et chez les Congo, on va te faire les kinzonzi. Comment toi, l'enfant, tu trahis la famille? Amen. Pona Saül, la monnaie qui n'est pas la naïa zote kaye pa ya munguna naye. Papa Congo a le vie qui wana bakose lo kinzonzi. Mais, kasi. Pour Jonathan, c'était pas de la trahison, c'était quoi? L'alliance. Oh, c'était quoi? C'était l'alliance. Alléluia. Kasi pona Jonathan, ezala kite ki azako tia songi songi, kasi ezala kina tina ya boyokani, o ya sala kina David. Bien aimé, l'alliance est plus forte que certaines choses même qui vous lient par le sang. Alléluia. Boyokani ba ndeko na ngai eza makasi. L'alliance, mes frères, est un serment d'esprit. Alléluia. Parce que lorsqu'on fait des alliances, l'alliance est assortie des imprécations. Amen. Moi, je veux faire ceci. Si je ne le fais pas, qu'il me soit fait comme il a été fait à cet animal qu'on a coupé. C'est pourquoi on ne peut pas négliger les engagements. C'est pourquoi même les accords politiques, lorsque vous le violez, le monde bouge. Donald Trump a dit: je vais revoir les accords de commerce entre moi et les d'autres pays. Mais le monde a bougé. Pour ce Ningani, parce que à cause de quoi? Il a voulu violer. Parce qu'il a dit non, les Américains d'abord. Je veux faire le bien pour mon peuple d'abord. Mais il a oublié que ses prédécesseurs avaient des alliances avec les autres pays. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous recommencez, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est quoi? C'est d'abord l'alliance elle-même. Ah, et ça, vous voyez, quand vous recommencez. Bandela. Deuxième préalable. Yami balé. Il faut oublier le passé. Esaïe 43:18. Esaïe 43:18 dit ceci. Ne pensez plus aux événements. Oh oh, ne pensez plus aux événements. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un fleuve dans la solitude. Alléluia. Oubliez le passé. Bien aimé, pour recommencer, oublie le passé. Oublie que Baboya Kayo, oublie que ça n'a pas tenu. Oublie ça. Oublie qu'on t'a fait du mal. Oublie le passé. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Je vais prendre 2 minutes sur ça. Oubliez le passé. Si tu n'oublies pas le passé, le passé va commencer à te rattraper. Et tu ne pourras pas bien recommencer. Et tu auras toujours une voix qui te dira: tu vas encore échouer. Mais je veux te dire que tu ne vas pas échouer. Parce que Dieu nous a dit recommence. Quand Dieu a dit de recommencer, c'est que Ekosimba, alléluia, c'est que ça va marcher. Amen. C'est un message d'espoir. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Vous allez lire à la maison. 1 Samuel 16, verset 1. Est-ce qu'on peut m'aider? 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel. Koloaibisina Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pour condamner celui que Israël était. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Na kotinda na ndako Isaïe. Bethlehemite, car je vis parmi na Bethlehem kuna pona katia bana na moni mutu moko akokonza pona nga. C'est désir pour roi. On a lingaza na mokonzi na kata Israël. Amen. Bien-aimé, je vais m'attarder un tout petit peu. Écoutez, pour recommencer, mes frères, il faut oublier. Ici, la personne à qui Dieu parle, c'est qui?
C'est un prophète. C'est un grand homme. C'est l'homme de l'arche. C'est l'homme qui a été éduqué par l'arche. C'est l'homme qui a remplacé le sacrificateur Élie. C'est lui qui a oué Saül comme le premier roi d'Israël. C'est l'homme de la transition entre les juges et la royauté. C'est un homme, un grand homme dans l'histoire de la révélation et dans l'histoire du prophétisme. Mais Saül a déçu Dieu. Saul a pas nzambe passe. Et il n'a pas fait les choses comme Dieu le voulait. Alanite makambo ko sala loko la. Et Dieu dit il va le rejeter. Benzambe atie pembeni. Et Samuel commence à pleurer. Samuel a bani kolela. Écoutez, lorsque Samuel pleure Saül. Tango Samuel a zone. C'est comme s'il est en train de pleurer son propre échec. Loko la ezaneti yenene azuite. Mais mes frères, il y a des échecs en tant que ba leader, to tika makambo susu. On va lela quand to ba to na ba ba tmabe. Vous désobéissez. Le gars désobéit et le leader commence à pleurer. Hey. Saül a sali ma bé, kasi Samuel n'a pas nolé là. Hey Saül, Saül, mangana, on va regarder bampunda ya papa na yo. Ngam na kuto na gina, oya kuto langa voyant. Sur la sacole là qui yo. Mes frères, la sacole qui un point à la ligne. J'étais loin. Il y en a un premier roi. Tant de temps qu'on a ma boîte qui est. Donc, si Samuel était Mukongo, il allait entonner les chants de Koukele. Donc, Dieu lui a dit Samuel. Samuel. Écoutez, il n'a pas parlé à un petit homme. Hein? Il a parlé à un grand homme. Il lui a dit jusqu'à quand? Cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Il y a des moments donnés, bien aimé. Si tu as quelque part, tu as dit que 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 Alléluia. Amen. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Ce n'est plus le temps des pleurs, c'est le temps du recommencement. Samuel azolela, azolela, azolela. Na yina lo bateza tango ya kolela te, kasi za tango ya kobandalisa. Le piège de l'homme c'est lequel? Le piège de l'homme c'est de se dire que le temps est passé, je ne pourrai. Non, le temps n'est pas passé. Dieu est un Dieu de grâce. Kolobate ke tango eleki po ete nzamba dans nzamba ngolu. Ah, j'ai trouvé ce roi na pasi. J'ai formé bato na pasi. Est-ce que je pourrais encore former? Non, tu pourras le faire parce que quand Dieu dit de recommencer, tu recommences avec une alliance et Dieu te va te doter de l'onction et accélération. Mes frères, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur mon oyobungisaki na mon okotaki? Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur ton enfant? Arrête de pleurer sur ce fils que tu as perdu. Arrête de pleurer. Dieu dit recommence. J'ai décidé avec l'oracle, mes frères, de ne plus pleurer sur certaines choses parce que Dieu me donne et me ouvre une saison de grâce. Alléluia. C'est un temps de grâce, mes frères. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Oubliez le passé. Oubliez ce qui n'a pas marché. Oh, si j'avais eu ce travail. Ceux qui n'ont pas eu ce. Ah, maintenant ma femme ne souffrirait pas. Si j'avais eu ce travail. Si ça avait tenu. Bien aimé, avec les Soki, si, on peut refaire un monde en 3D. Tika kolela, tika kolela, tozana tango angolo. Nous ne sommes pas dans l'ordinateur pour dire Soki na tchebo yeko kangama. Non, nous sommes dans le monde des réalités. Nous sommes dans le monde de l'invisible où il y a encore des possibilités que Dieu disponibilise pour les hommes et les femmes de ce moment. Des hommes à qui il a donné un oracle, qu'il a dit recommence encore. Car c'est le temps des alliances. Abongisi, ma possibilité. Mes frères, j'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour faire quelque chose. Il m'a envoyé, il me dit parle à ma race. Il dit parle à ma race. Cette parole concerne la race. Vous savez de quelle race il parle? C'est la race des hommes et des femmes
qui, lorsqu'ils font quelque chose et que ça échoue, ils remettent la confiance en Dieu et ils avancent. Quelle est cette race? C'est la race de ceux qui ont la face de l'aigle. C'est la race de ceux qui ont la face du veau. Écoutez mes frères, je suis venu pour parler à cette race là encore et encore. Dans cette race il y a l'armée des adorateurs. Alléluia. Mais c'est pourquoi mes frères et mes soeurs, écoutez ce que l'esprit était en train de me faire comprendre. C'est que chaque face en ce moment, à un moment donné, lorsque vous recommencez avec Dieu, la face de l'aigle conduira à des alliances de hauteur. La face de l'aigle te mettra en contact, fera une alliance avec la révélation pour que la révélation ne puisse pas manquer dans ton esprit, dans ta maison et dans ton église. Parce que la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Frères, nous allons faire des alliances avec plusieurs faces. Lorsque l'aigle va se manifester en toi, dans la saison spirituelle, dans la saison des révélations, la révélation va être disponible pour toi, tes enfants, ta famille et tes affaires. Tu ne souffriras pas de manque de révélation. Merci bien. Tu ne souffriras pas de, il n'y aura pas de crise de révélation. Le problème du Congo, c'est lequel? C'est que la face de l'aigle a manqué à beaucoup de leaders. Alléluia. Pour qu'ils puissent, au moment où ça ne va pas, apporter au peuple une parole révélée. Mais frères, lorsque ça ne va pas, tu ne peux pas apporter aux gens une parole avec la face du veau. Pour Simbaté. Je n'ai pas besoin qu'au moment là, tu m'apportes une parole de persévérance. Non! Lorsque ça va mal, j'ai besoin que l'aigle que tu es puisse revêtir cette face et me dire une parole révélée de la part de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ceci: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est pourquoi mes frères et mes soeurs, la Bible dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. J'ai commencé à comprendre cette phrase. Vous savez, le peuple peut être là. On sonne de la trompette. On sonne la trompette. Babé dit qu'il est là. Alléluia. Lorsque la trompette sonne, tout le monde entend. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui décode le son de la trompette. C'est là le problème de notre peuple. C'est que, au fait, ce verset veut dire ceci: heureux le peuple qui sait reconnaître son son à lui. Et quand il comprend le son qui le concerne, il va marcher à la lumière de la face de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un: remplis ta corne et va à Bethléem. Là où Dieu a vu un autre roi, il a vu David. Dieu t'a déjà trouvé un autre fiancé. Pourquoi tu pleures sur l'autre? Dieu t'a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Dieu a déjà trouvé un autre travail pour toi. Mais le problème, c'est que tu es limité, tu n'as pas accès. Celui que nous prions, il contrôle tout. Déjà, il avait vu à Bethléem un nouveau roi. Mais Saül ne savait pas. C'est pourquoi il pleurait. Samuel ne savait pas. C'est pourquoi il pleurait. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir: arrête de pleurer. Il faut recommencer. Remplis ta corne.
Quand tu es en présence en Zambé. Alléluia. Amen. Remplis ta corne. Ton dit ça, vous allez en Zambé. Ça peut te dire quoi, remplis ta corne? Refais les projets. Bandela oyo bongisa. Écris les CV encore. Ah. Alléluia. Bandela oyo salaki oyo simaki. Oh, alléluia. Amen. Remplis ta corne. Bandela oyo salaki oyo simaki. Dis à ton frère, remplis ta corne. Donne ça l'iseke, alléluia. Commence encore. Zongela makala, doit côté car ceux qui sont volontaires d'ambe. Zongela bachou, alléluia. Bandela disusso esi makate. Recommence à vendre. Bandela disusso. Côté qu'on a révélation. Oyote kama tembele. Suko oyote kandembi. Amen. Alléluia. Recommence. Bandela disusso. Bien aimé la race. Doit se lever en ce temps-ci. Car l'alliance, l'alliance est une semence qui crée la race en toi. Ça te change de nature et d'identité. Amen. Bien aimé, le lion. Écoute, le jour que tu te lèveras comme le lion. Pour faire une alliance avec Dieu. C'est que là. Tu fais des alliances qui vont influencer la royauté dans ta vie. Amen. Et dans ta famille. Le jour où David a fait une offrande, il a pensé construire le temple pour Dieu. Samuel lui a dit, Dieu te dit, comme tu veux lui bâtir une maison, lui va te bâtir une dynastie. Il y aura toujours un descendant qui vient de terrain sur le trône. Bien aimé, alliance et amaka si trop. Amen. Alléluia. Et le jour où Israël s'est séparé en deux, 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Vous savez pourquoi Dieu a gardé les 2 tribus au sud du sud? À cause de l'alliance. Même quand Boulou et Yena Katamboka, Nzamba Talimo, Boulou et Kotimengan, Nana Sermana David, Naotosa, Naotik, il est toujours Moutumoka à Régnarana. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu dit de recommencer, bien aimé, le monde invisible est en branle. Bien aimé, nazo expliquer bien le makasi. Le monde spirituel s'est ébranlé. Vous savez pourquoi? À cause de l'oracle. C'est comme si vous ne me croyez pas. Si vous me croyez, vous auriez dit à pasteur. Je raconte pas des histoires. Je vous dis ce que je sens. Le monde spirituel, bien aimé, est en ébullition. Vous savez pourquoi? Parce que les forces sataniques ont compris que Dieu va recommencer une nouvelle histoire avec toi. Bien aimé, Bazo Lenga. Amen. On dirait pas que on dirait jamais baobanga nani baob oui baobanga nani baobanga elongi obimisa. Ils sont en train de craindre la race qui va naître de cet oracle. Bazobanga libota oeko bima. Cet oracle en fait c'est pour faire naître une race. Les sakolo eza pona ko bimisa libota sika. Pourquoi? Parce que cette église, Dieu là dans son plan, appelé à être au devant, à montrer le chemin. Alléluia. Et lorsque le monde des esprits voit ça, ils sont agités plus qu'avant. Parce qu'ils savent que partout où nous avions échoué, nous pouvons revendiquer le recommencement. Est-ce que les fils des prophètes me comprennent? Nous pouvons revendiquer le recommencement. Et lorsque, bien aimé, vous recommencez, ce recommencement va faire une sommation des choses, des bokeh. Sommation.
Bon, comment? C'est-à-dire que, regardez, je recommence Mama Moussala, Alliance et Simbi. Pourquoi au Simba, le Amen. Oh oh. Pas si, hein? Je recommence Mama Libala. Il s'agit combien? Na bandele Mama Libala, bandele et combien balé? Je recommence Makambu Yambongo. Il s'agit nini? Misato. Je recommence Oboyebiwana. Il s'agit nini? 4. Je recommence Makambabane. Il s'agit nini? 5. Je recommence Makambabane. Il s'agit nini? Et je commence à recommencer tout ça. C'est pourquoi mes frères, quand on s'en met, on sent que Moukilamouli m'a bougé. Et bougé parce que race Robotama et race Mokabata bien t'es. Amen. Et si, si l'oracle passe, vous allez revenir en 2019. Sakola. Mais c'est pas bon. Et ça, malam, t'es côté car il sakole le kaka kabongo. Et c'est pourquoi. Yangwana. Quand je t'entends prier. Le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. C'est ça pour vous faire peur. Hein? C'est ça pour vous faire peur. Le Saint-Esprit voyait les sépulcres. Les sépulcres. L'Esprit m'a montré des sépulcres. Il y avait des choses. Les enfants de Dieu qui étaient dans les sépulcres. Non, il y a des choses qui appartenaient à des enfants de Dieu, cette église qui était dans les sépulcres. Mais Dieu m'envoie vous poser une simple question. Il m'a ramené à Ézéchiel. Comme à Ézéchiel, pose-leur la question. Fils de l'homme, ses ossements, pourront-ils revivre? Bien aimé, les gens n'ont rappelé Biloko et vous dire deux choses de la part de l'Esprit. Fils de la race est ici. Ces choses vont-elles revivre? Ces ossements vont-ils revivre? Est-ce que tu crois que tu peux recommencer? Parce que ça ne fait rien que tu aies une belle, mais que tu ne crois même pas. Crois-tu que tu peux recommencer avec Dieu? Est-ce que yozo ndiba ke nanza mais crois-tu que quand tu vas recommencer, ça va réussir? Est-ce qu'on dit mi? Alors prophétise. Sakola. Dis que cette parole est pour moi. Loba ete maloba o eza ponanga. Deux façons dont Dieu va agir. Nenge mi balé nenge nzamba kosala. Dieu va agir par nous-mêmes. Dieu va agir lorsque tu vas déclencher ta foi. Et que l'oracle va commencer à produire ses effets. Lorsque tu vas commencer à agir toi-même. Dieu se mettra là à t'accompagner et à agir aussi. La deuxième façon, c'est que Dieu va agir à travers les serviteurs de Dieu qu'il a établis dans sa maison. Amen. Qui ont des paroles pour dire pour vous. C'est pourquoi, lorsque le pasteur vous bénit, ne soyez jamais distrait. Parce que c'est l'une des fonctions de sacrificateur de mettre le nom de Dieu sur le peuple de Dieu. Oublie le passé. Et essaye maintenant de faire comme Samuel. Il est reparti. Il a refait ce qu'il sait faire. Il sait oindre les gens. C'est un faiseur de roi. Qu'est-ce que tu sais faire toi? Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Qu'est-ce que tu sens que Yopena et Amakamza m'a bengé dans Mokili? Quelle est ta force? Samuel était un prophète. Mais Dieu l'a envoyé pour faire des rois. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Lui il avait la corne. Toi tu peux avoir un peu d'argent. Alors recommence. Tu peux avoir la force de la prière. Recommence. Remplis ta corne. Remplis ta corne. Et va oindre David. David c'est la nouvelle chose que tu attends. David, c'est le nouveau projet que tu vas mettre sur place. David, c'est la nouvelle pensée de Dieu pour toi. David, c'est ta nouvelle dimension.
David Samuel pleure son ancien roi. Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. David, c'est la nouvelle onction qui va venir sur toi, homme de Dieu. David, c'est le nouveau mari qui vient. David, c'est le nouveau travail que Dieu a préparé pour toi. Une chose sur mesure. Il n'a pas l'apparence d'un roi, mais il a le cœur d'un roi. À tel point que Samuel s'est trompé. Samuel, quand il est parti oindre les enfants, il dit non, c'est lui, non, pas lui. Et il a dit non, il est grand, c'est lui, non, pas lui. Il dit, mais il y a personne encore dans ta famille, Isaïe. Il y a un petit là qui est en train de paître le troupeau. Qu'on l'amène. Lorsqu'on l'a amené, c'était un petit garçon. Il n'avait pas l'apparence de plaire. Dieu ne travaille pas toujours dans l'apparence, mes frères. J'appelle le peuple au discernement. Lorsque on recommence, il faut recommencer avec le discernement. Parce que sans discernement, vous allez passer à côté de David. C'est pourquoi, mes frères, l'alliance vous permettra de connaître ce que Dieu attend de vous. Et là où il vous attend. Et lorsque David est entré, Dieu lui a dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Aimé, ne regarde pas l'apparence de quelqu'un. Le Dieu n'est pas le Dieu des œuvres, il est le Dieu des œuvres progressives. Alléluia. Amen. Les autres là, tes frères sont en bon côté. Tika, t'as l'année la simana, qu'est-ce que Dieu a dit? Kota la tête dans la bosse. Mais yo la na o nzamba lobi na tina na ye. Ne te dis pas. C'est vraiment mon kiebo et ngali nga batwa ma misuni. Akoya mon nene, t'as la simakaka. Les sacerdotes kaka ta la ke, ana kwa shokor tende. Pour te rester là. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est comment c'est mon mari? David. C'est la pensée actuelle de Dieu. C'est le nouveau rendez-vous de Dieu. Remplis ta corne. Il y a une autre dimension à laquelle Dieu t'attend. Remplis ta corne. Donne-lui sa prière. Et va vers David. Peuple de Dieu. Levons-nous. Mes frères et mes soeurs, arrêtons de stagner. Allons de l'avant. Car David est là. Alléluia. 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 Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. Que chacun dise, Seigneur, je veux accepter ces préalables. Je veux, Seigneur, oublier le passé. Oublie le passé, mon frère. Oublie le passé. Oublie le passé. Renonce à ce passé. Renonce au passé. Alléluia. Demande à Dieu, conduis-moi vers le chemin que tu veux. Senganzamba mimona nzela oyazi.